Je suis très heureux d'être ici. Je pense que c'est une excellente nouvelle là, pour Saint-Lin-Laurentide et pour la région de la Naudière en même temps. J'ai déjà dit que la ville de Saint-Lin-Laurentide était remplie de trésors, puis qu'il suffisait là, de les mettre en valeur pour découvrir là, la vraie richesse de notre communauté. Mais je pense qu'ici, on est en plein cœur d'un trésor. J'ai l'impression que ce projet-là là, coche beaucoup de cases. Tu sais, quand on parle d'inclusivité, briser l'isolement, je pense que c'est très important. Puis on a tendance à penser là, que ben, les gens qui immigrent ici ben, sont confinés aux villes. Je pense que c'est de moins en moins la réalité. Puis quoi de mieux pour découvrir là, la richesse et puis les valeurs québécoises que de venir passer du temps en plein milieu du rang double à Saint-Lin-Laurentide. Tu sais, vous semez évidemment des végétaux, vous les récoltez, mais vous semez beaucoup plus que des simples végétaux, je dirais. Là, vous semez beaucoup de choses pour la communauté, puis grâce à votre collaboration, puis la collaboration là, des gens politiques, ben j'ai l'impression que c'est une subvention qui a dû faire très plaisir à accorder, parce que, comme je l'ai dit tantôt, vous cochez beaucoup de cases, puis la plus belle case, c'est que c'est à Saint-Lin-Laurentide. Fait que merci à tout le monde, merci encore de l'invitation, puis c'est un plaisir de revenir ici quelque part au mois de juin, quand il va y avoir un petit peu moins de boue, qu'on va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Merci.